faire ça? Après ce qu'il a fait à mon centre, quand nous serons débarrassés de lui, vous permettez que je le tue? Bon. Eh bien, salut tout le monde et bienvenue dans le 8ème épisode du Let's Play de Portal 2 sur PC. Oh merde, j'ai oublié. J'ai oublié la porte. Oui. Voilà, parce que j'avais laissé la porte un peu entrouverte et le problème c'est qu'avec le courant d'air, elle fait du bruit, donc il faut que je ferme. Voilà. Bon, donc nous sommes de retour après... bon, je sais que le let's play, ce let's play-ci a pris beaucoup de retard, hein. Je vous prie de m'en excuser. Voilà, hein. Le problème étant que on a pris des gros coups de chaleur dernièrement, j'ai eu quelques petits problèmes techniques... Enfin, toujours est-il que je sais que je vais devoir retoucher un petit peu au circuit de refroidissement de mon ordinateur. Là, ça va. Là, comme il fait bon, je teste. On va voir, bien voir si l'épisode se passe comme il faut. Alors, nous reprenons la suite. Alors, du coup, je sais même plus où on en était, honnêtement. Bon, je sais juste que dans l'épisode précédent, on avait retrouvé Weekly qui est à présent aux commandes du centre d'aperture. Ouais. Ah. Bah, y'a ça pour nous faire revenir dans le circuit de test standard. Voilà. Donc, Whitley qui a pris le contrôle du centre, qui fait des tests. Voilà. Et du coup, bah, on se retrouve avec GLaDOS à traverser les tests qu'il nous a prévus. Ah, vous êtes vivant. Super. Je suis en train de préparer un test. Rien que pour vous. Ça va sans dire. Pour qui l'autre, hein? Ouais, pour qui d'autre? Voyons voir la sortie... Non, pas de sortie. C'est pas grave, je vais en faire une de sortie. Pour votre test. Là, ping! Parfait, allez-y. Quand vous m'avez dit de désactiver le rayon, j'ai cru vous avoir peur. J'ai cherché un autre sujet de test, mais ils sont toujours tous morts. Oh, par contre, j'ai trouvé quelque chose. Ce qui me fait penser que j'ai une grande surprise pour vous deux. Vous allez être sciés. Bon, ça y est, je peux parler? Bon, déjà, vous avez vu comment Wi-Fi crée des sorties, hein. Merci. Merci, c'était que trop d'attention, mon cher. Alors déjà... Voilà. Ça nous génère un cube, mais qui est arrêté par ces deux plateformes. Mais c'est pas un problème. Voilà, ce bouton-là génère un tunnel d'excursion, là. Un halo d'excursion, pardon. Voilà, c'est son nom officiel, le halo d'excursion. Alors. Hop. Voilà, je décale le cube. Ensuite, j'ai tiré trop haut. Voilà. Oula. J'ai quand même quelques légers lags, mais bon, on verra bien. Après, certaines de ces lags que j'observe à l'écran sont peut-être dues au fait que ça enregistre. Et que du coup, sur la vidéo, vous ne le verrez pas. Ben, en fait, le cube, il sert... non, il sert pas tout de suite à ça. Comme d'habitude, je l'ai dit, le cube, faites attention qu'il retombe pas sur ses pattes, parce que sinon, il a tendance à se déplacer. Voilà. Il faut d'abord que j'utilise le gel de propulsion. Sauf que... Ah oui. Il faut que je réactive le halo. Hop. Et ensuite tu fais ça. Tranquillou. Et dès qu'il y a assez de gel pour faire toute la rampe. Voilà. Allez, je refais un petit peu. Voilà, juste histoire que ce soit bien fait. Ensuite, il faut que j'aille chercher notre copain le cube. Et je le place sur le bouton du halo. Voilà. Et ensuite, pour terminer le test, voilà, vous voyez qu'il y a une zone à portail là en face. Voilà. Normalement, c'est bon. Normalement, je me propulse, je vais retomber dans le halo et... Non, je ne peux pas traverser le halo directement puisqu'il y a une barrière d'émancipation qui couperait le halo dès que je la passerai. Donc,
Voilà, la, celle qui est là. Ce qui provoquerait ma mort. J'ai adoré la surprise que je... On pourrait même dire que vous allez mourir de plaisir. Et par mourir, je veux dire que ça va vous tuer. Bon, je sais pas si vous avez bien capté ce que je vous ai dit, mais... Oui, on a compris, merci. Ouais, ça fait peur. Ça fait peur quand Whitley nous promet une surprise mortelle. À dire vrai. Bon, ça marche toujours aussi bien. Hein. Pardon, désolé, c'est ma faute. Quelle andouille. Quoi qu'il en soit, j'ai comme l'impression qu'il veut nous tuer. Continuez. Bon, je m'en souvenais plus de ça, à vrai dire, donc j'étais un peu surpris. J'ai que trois salles avant la grande surprise. Bon, il va pas bien. Oh mon dieu, cette salle. J'en ai souvenir comme étant assez dégueu, assez horrible. Bon là déjà, il y a trois tourelles là-bas, ce qui veut dire que bah, si je passe ici, bah, elles vont vouloir me tirer dessus. Donc, ce que je dois faire... Voilà, vous voyez qu'il y a des, il y a des panneaux blancs ici. Je me souviens qu'il faut mettre du gel répulsif sur les tourelles pour les faire s'envoler. Et du gel répulsif, on en a là-bas. Ce qui veut dire que je dois aller en face vu que le bouton est en face. Je vais baisser un peu le son dans mon casque parce que je m'entends très mal. Enfin, je m'entends, quand je dis très mal, je veux dire je m'entends pas parler quoi. Alors. Ah merde, bourré de couleur. On fait ça. Ah oui, je me souviens de ce qu'il faut faire. Oh là là, je l'ai fait exprès pour mettre du gel ici. Ensuite, je remets le truc dans le bon sens. Hop. Le bouton qui est là, si mes souvenirs sont bons, sert à inverser le flux du... Allez. C'est ça. Donc maintenant, je fais remonter le gel dans cette partie du halo. Et je pense que vous avez compris, hein, vous avez compris l'idée. Et voilà, il n'y a plus qu'à. Au revoir. Maintenant, on peut aller ici. Donc, il faut aller là-bas. Oui. Alors, est-ce que je peux placer... Tiens, comment on rattrape la sortie, déjà? Ah, il y a un bouton là. J'avais pas vu. Voilà. Voilà. Donc maintenant, ce qu'il faut faire... Putain, ça rame quand même. Hein. J'espère que ça ira pour la vidéo. Donc maintenant que le panneau est incliné, je vais faire une projection cinétique. Et comme je vais atterrir ici, sur la zone où j'ai mis le gel répulsif, ça va le faire. Donc je me mets là pour monter jusqu'au plafond. Et go. Oh, vous avez réussi. Bien. Tant mieux pour vous. Oula, changement d'ambiance là. Voyons, il est brusquement tout enjoué alors que le manque de résolution devrait le rendre fou. Et avec ça, il nous réserve une surprise. Qu'est-ce qu'il a bien pu trouver? Ouais, qu'a-t-il bien pu trouver? Alors encore une fois, c'est vrai que la salle... Vous mourrez d'envie de savoir ce que c'est, votre grande surprise. Plus que deux salles, et vous serez fixés. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Je pense pouvoir nous faire accéder à la salle suivante. Suivez-moi, si j'ose dire. Ok. Oui, donc sinon j'allais dire que oui, la salle qu'on vient de passer juste avant, on dirait que je l'ai avalé la salle, mais je vous jure que la première fois que j'ai joué à cette salle, je me dis, mais c'est quoi le truc? Je comprenais rien, hein, la première fois. Ouais, LOL, vous le sentez venir? Surprise, c'est le grand moment. Je suis forcé d'avouer que pour un petit imbécile conçu spécifiquement pour générer des idées ineptes, ce piège était plutôt
C'était un piège! Vous en doutez sûrement, mais je n'ai plus besoin de vous. J'ai trouvé deux petits robots en réserve conçus spécialement pour faire des tests. Misère, il a découvert le programme de test coopératif. C'est une idée que j'ai eue pour mettre hors service les sujets humains, juste avant votre évasion. La GLaDOS, elle a encore changé de voix. Le moment est venu de vous tuer. Ouais, c'est carrément le fil du chapitre, allez. Un stimulus. J'étais là, en train de couper de l'acier, et je me suis dit, qu'est-ce qui manque pour que ça soit vraiment mortel? Plein de trucs pointus partout, voilà ce qui manquait. C'est encore provisoire, hein. À terme, j'aimerais bien que ça vous brûle juste avant de vous broyer. Mais bon, ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Ah, au fait, n'essayez pas de vous téléporter, parce que c'est impossible. J'ai pensé à tout, croyez-moi. Ne pourrait-on pas utiliser ce gel conversif? Oui, merci de me donner la solution. Le gel conversif qui coule de ce... Je le savais, hein, mais je voulais lui le laisser parler. Non, c'est pas du tout ça, vous vous trompez. Nous pourrons nous en servir pour sortir d'ici. Non, 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 ne faites pas ça. Ne bougez pas. Vous êtes où? Revenez. Non, mais je le savais, la solution, mais je voulais le laisser faire un peu son laïus, hein. Mais GLaDOS finit par nous donner la solution, carrément. Bah quoi? Tu dis plus rien? Non, là t'es censé parler. Non, écoutez, revenez quoi, allez. Ah, bon voilà, je m'étais pas vraiment préparé à ça. Pas possible de rebooter le piège mortel. Ah, je sais. Vous pourriez sauter dans la fosse, comme ça, sans chichi? Pourriez-vous avoir l'obligeance de sauter dans cette fosse? La fosse mortelle, là. Non. Vous vous dites sûrement, pourquoi sauter dans cette fosse? Eh bien, c'est parce que là-dedans, il y a vos parents. Eh oui, vous n'êtes pas adopté, vos parents biologiques sont en bas. J'aurais dû vous le dire plus tôt, mais c'est pas vrai. Enfin bref, sautez donc, retrouvez papa, maman. Ah, mais tu rêves, là. Vous savez ce qu'il y a en bas? Vos parents et un ascenseur de secours. Eh oui, j'avais complètement oublié de vous en parler, mais il est bien là. Alors, zou, un petit saut, vous retrouvez vos vieux et vous sortez d'ici. Bah non, désolé. Qu'est-ce qu'il y a encore en bas, déjà? Ah oui! Bon, vous savez quoi? J'ai décidé de ne pas vous tuer, à condition que vous reveniez. Non, non, reviens pas. Oh, quand je repense au bon vieux temps où on était amis. Vous vous souvenez? J'aurais dit, revenez! Et vous auriez fait, ouais, pas de soucis, et vous seriez revenu. Mais qu'est-ce qui nous est arrivé? Qu'est-ce qui nous est arrivé? Alors ici, il faut faire une projection en bas. Hop. Je remarque que vous ne reveniez pas. Ce qui est un petit peu dommage. Oh, j'ai une idée! Yes, mange-toi ça, tu l'as! Bon, que les jeux commencent. Bon. Hop! Tu veux pas que je passe? Pas de problème. Je me fais mon propre chemin et c'est tout. Bon, en vérité, tout honnêtement, on est assez proche de la fin du jeu. Ah non, ça passe pas. Attention à moi, continuez votre évasion. Je sais pas trop si on peut se prendre ces trucs dans la tête, alors par sécurité. Oui, voilà, on n'a pas le choix. On va remonter dans une salle de test. Ah, un piège mortel. La salle 75, ouais, bien sûr. Je suis en train de vous tuer. Vous êtes morte là, pas vrai? Elle vous tue en silence. Ça doit être ça. Aucun doute. Peut-être que les tourelles utilisent un lacet étrangleur. Et ça doit être pour ça qu'elle vous tue dans un silence. Absolue. Bah non, désolé. Si vous êtes mourante, mais pas encore morte, frappez un coup. Si vous êtes morte, bah aucun coup, ça c'est logique. Et si vous n'êtes pas morte, deux coups. Ah, vous avez fini en charpie sanguinolente, criblée de balles. Vous avez... Oh, c'était les tourelles nazes. Mince. Peu importe, parce si que c'est par là. J'ai toujours les cartes en main. Et devinez quoi, ce sont toutes des caritas. En fait, j'ai jamais joué aux cartes. Enfin bref, il me reste trois atouts.
des tourelles opérationnelles et puis le petit et l'excuse. Une main abattable. Ouais, tu vas voir ta main abattable. Alors, pour se débarrasser des tourelles, il faut... pas faire ça. Voilà. Faire attention, c'est pas trop se prendre les balles quand même. Alors ensuite c'est pas par là. Ah ouais. Tout simplement. Tout simplement par ici. Bah non plus vu qu'il y a un mur. Merde, c'est par où? Ah ouais, faut peut-être que je j'aille tout simplement dans le tunnel moi aussi. Qu'est-ce qu'il est con? Je vois. Pas bête. Pas bête du tout. Sauf que si, très très le mur de la mort. Oh, bah, pas de problème. Hop. J'ai qu'à descendre. Parfait. Enfin une adversaire digne de mon intellect supérieur. Oula, rebonjour les bugs graphiques. Comment vous allez? Non mais c'est pas possible, sérieux. Holmes contre Moriarty. Aristote contre Plaque à écrabouiller. Oh, vous inquiétez pas, tout va bien. Ne Hop. Bougez pas, d'accord? Allez, arrêtez de bouger. Ah c'est bon, normalement la plaque me touche pas. Hop, j'ai failli vous avoir, j'ai failli vous avoir. Bah, tu permets que je passe. Vous êtes où? Il reste combien de temps? Revenez, wow revenez. Ah, je regarde le timer. Mais rigole pas, avec un peu de chance, je suis en train de me demander si on pourrait j'ai pas finir le jeu là aujourd'hui. Oh, ça vous a tué? Non? Oh, ça aurait été génial. Hop. Eh oh. Alors ici, je me souviens qu'il faut mettre un portail là. Oh, je tiens d'abord un stimulus. Si vous êtes encore en vie, je reviens dans deux secondes. Ne mourrez pas avant que je sois revenu. Oh, mais j'ai pas l'intention de mourir, hein. Ah, ça. Oh, oui, oui, je me souviens ce qu'il faut faire ici. En fait, on se met dessus. Parce que vous voyez, vous voyez. Là, il y a toute une armée de tourelles qui m'empêche de passer sur le chemin qui est ici. Voilà, c'est le chemin qui est là, que j'ai indiqué avec le curseur. C'est le chemin que je dois prendre pour accéder à la suite. Et il y a toute cette armée de tourelles. Et là, en fait, je dois tout simplement me servir du gel là. Pour faire un petit... ouais. Il faut que je place le portail bleu à plusieurs endroits. Ah, un petit peu plus à droite. Voilà. Ensuite, j'ai plus qu'à utiliser la plaque de foie pour revenir sur le chemin en question. Et on n'a plus qu'à se barrer d'ici. Oh, quoi que je suis en train de en fait, je suis en train d'essayer de réfléchir ce que je dois encore faire avant d'atteindre. De toute façon, vous doutez où est-ce qu'on essaye d'aller. Après tout, je vous rappelle qu'on a fait un pacte avec la DOS pour la replacer à sa place d'origine. Donc. Le broyage serait trop clément. Je lui réserve un an dans l'incinérateur, une autre année en cryoréfrigération. Ensuite, une dizaine d'années dans cette salle où tous les robots vous hurlent dessus non-stop. Et après, je le tue. Qu'est-ce que ça fait ça déjà? Ah oui, je me rappelle. Voilà. Je crois qu'il faut mettre le deuxième portail là. Tu permets que je rappuie? Vas-y, envoie. Alors, voilà. Hop, ensuite c'est par là. Ah, tapis roulant, ça me dit rien de bon. Ah, parfait, vous voilà. Attendez, je vais dire si passerelle. Oula, le jeu a du mal à suivre. Je voulais vous toucher deux mots, si vous permettez.
Je vais être franc. Jusqu'ici, les pièges mortels n'ont pas super bien marché. Pour vous comme pour moi. Vous ne me contredirez pas. Et vous vous approchez dangereusement de mon repère. Repère? Tiens, c'est la première fois que je le dis. Ça fait un peu ridicule, non? Mais c'est le bon terme, je vous assure. Un repère en bonne et due forme. Mortel, bien sûr. Et okay. Je voulais vous donner l'occasion de vous suicider maintenant, avant d'arriver dans mon repère. Tenez, vous pouvez sauter dans ce broyeur, là-bas. Ce n'est pas tant un piège qu'une invitation à mourir. Je sais que ça paraît idiot, mais qu'est-ce que tu crois? Quand vous arriverez à mon repère, fini les invitations cordiales. Ce sera la mort obligatoire. Je serai obligé de vous tuer avec plein de sang partout. Du coup, le mieux à faire pour vous, c'est d'en finir maintenant. À quoi bon vous donner la peine de faire tout le trajet jusqu'à mon repère, alors que vous êtes cordialement invité à mourir ici même? Et, je le répète, il n'y a pas de piège. C'est du gagnant-gagnant. Le broyeur marche. Je tiens à le préciser, vu qu'on a eu quelques problèmes techniques. Ah, mais t'en fais pas. Vas-y, parle, moi je fais mon truc. Je suis en mesure de vous tuer. Si c'est ce qui vous dissuade. Très bien, je prends ça pour un non. Bah oui, je refuse de mourir, voilà. Ouais, il a fait du bordel, c'est ça? Alors ici, comme vous pouvez le voir, on a un halo. Donc pour le rejoindre... Bah j'allais dire, pourquoi ça continuait pas? Voilà, une fois que j'ai fait ça... Oui, parce qu'il récupère le gel qui coule ici, je le rappelle. Donc maintenant, je place un portail ici. Et je fais une propulsion. Et oui, c'est tout juste, mais on arrive à l'attraper. Ah, GLaDOS a une conscience. Je pense que j'ai un gros problème. Allez, la suite c'est par là. Alors, on fait de la grappette. Ouais, c'est bon, c'est la fin du jeu. C'est bon, je termine le jeu aujourd'hui. On est à la fin. Tant pis, peut-être qu'avec le générique de fin et tout le tralala, ça va sûrement durer dans les 40 minutes, mais je le finis maintenant. Comme ça, on sera tranquille. Je pourrais m'occuper de d'autres projets. Hop. Des processeurs corrompus, c'est parfait. Trouvez un moyen de l'assommer. Je vous envoie un processeur et vous le branchez sur lui. Un port s'en finira par le corrompre et c'est là qu'on pourra refaire le transfert des noyaux. Voilà. Ça y est, on y est, c'est la fin. Donc, c'est sûr et certain, le jeu sera fini aujourd'hui. Branchez-moi, je vous fais monter. Ok. Écoutez, peu importe. On va brancher une patate. Bienvenue dans mon repère. Il faut que je vous précise une chose. Si j'en crois les indications du panneau de commande, tout le bâtiment va s'autodétruire d'ici environ 6 minutes. Je suis quasiment sûr que c'est juste le voyant qui déconne, mais bon. Au cas où, je vais quand même devoir vous tuer, comme je vous le disais un peu plus tôt. Alors, mettons que ça prenne 3 minutes, après je prends 1 minute de pause, du coup il me reste 2 minutes pour trouver comment arrêter les incendies. Bon, je dirais qu'on est bon. Ah, j'ai aussi visionné la façon dont vous l'avez tué, et je ne vais pas refaire les mêmes erreurs. Pour ça, 4 précautions. Primo, pas de surface pour les portails. Deuxio, j'envoie les neurotoxines immédiatement. Troisio, des boucliers anti-bombes pour moi. Et du coup, quatre, des bombes pour vous. Franchement, mon plan est tellement parfait que je vais être fair play et désactiver les neurotoxines. Non, désolé. Adieu. Bon, c'est parti pour le combat. Les neurotoxines opérationnelles dans 5 minutes. Alors bon, il va avoir beaucoup de dialogues, donc je vais pas trop vous parler. Ça, ne courez pas. Vous savez pourquoi? Parce que plus vous respirez fort, plus vous inhalez de neurotoxine, c'est vraiment bien fait. Alors c'est bon, il faut l'utiliser pour péter ça. Écoutez, je vous propose un marché.
arrêtez de courir et j'arrête de vous bombarder. Ok, j'arrête de courir. Ah, vous n'allez pas tomber dans le panneau. Un point pour vous. Mais vous continuez à éliminer les autres. Je reprends le point. En fait, c'était vous que j'imitais. Vous êtes tombé dans mon piège le plus sourd. Je voulais vous donner l'impression que vous m'aviez piégé. Sauf que le coup du tuyau, tout ça, j'avais tout soigneusement préparé à l'avance pour vous donner de faux espoirs. Maintenant, vous êtes trop en confiance et vous allez commettre des erreurs. Des erreurs fatales. Oh, mais je viens moi-même de commettre ma première erreur en vous révélant mon plan. Oh, ça a toujours été tout à l'heure. Ah, du coup, vous n'avez même plus... Les bombes à travers le portail. Voilà. Maintenant, je peux monter. Alors, je dois utiliser le gel répulsif qui s'est mis. Qui dessinait un beau carré d'ailleurs. Hop. Alerte. Cœur corrompu à 50%. Par contre, j'ai entendu un bug dans le son, j'ai pas aimé ça. Neurotoxine désactivée. Explosion du réacteur dans 4 minutes. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi? Qu'est-ce que vous m'avez mis là? Ah, c'était quoi? Un instant. Ah, c'est ça. Alors ensuite, je vais mettre un portail sous lui. J'ai reconfiguré les boucliers. Ah, vous m'avez mis un processeur. Qui vous a dit de faire ça? C'est pas vrai? Ça fait que me renforcer. Ça marchera pas. Ah. Alors ensuite, le deuxième. Parfait. Voici un autre processeur. Faut que je remonte. Monsieur Rick. Vous venez jouer les aventuriers? Vous battez contre Steve? Vous êtes sûr d'avoir les choses à main? Parce qu'est-ce que vous faites? Vous prenez le truc qui crâne? Voilà, je l'ai eu. C'est jamais bon signe. Je dirais même que c'est plutôt moche. Surtout comparé à votre beauté, si je peux me permettre. Mais il me drague? Sans vouloir vous effrayer, je suis... merde, c'est de l'autre côté. ...conçu pour braver le danger. Je vais vous dire, allez vous maquiller. Alerte, cœur corrompu à 75%. Des comptes d'explosion du réacteur détruits. Lancement du protocole préventif pour suspicion d'explosion du réacteur. Ce centre s'autodétruira dans 2 minutes. Mais je vous ai dit d'arrêter avec ces processeurs. Mais ça fait qui pique de vous? Vous n'écoutez rien de ce que je vous dis. Ah voilà. Non, j'écoute rien de ce que tu dis. Alors ici, c'est... Hop, ça je m'en rappelle. On affirme à tort que le bleu est à la bonne place. En réalité, Nikola Tesla avait fait profiter cette activité 3 ans plus tôt sous le nom de Robinisme. Le carbone soumis à une pression intense produit du diamant. Le diamant soumis à une pression intense produit les particules en polystyrène servant à caler les colis. La fine dentaire résiste parfaitement à la pression. Elle dit des choses marrantes, lui. Il arrive, premier homme à avoir gravi l'Everest, accomplit cet exploit par hasard en chassant un oiseau. C'est par les rêves que notre subconscient nous rappelle d'aller à l'école en slip et de faire tomber nos dents. Info, l'espace n'existe pas. Non mais j'attends une ligne particulière. Le pantalon fut inventé au 16e siècle pour éviter la colère de Poséidon. En effet, la vie de Marami donne de l'identité à retirer la mer. Mais le timer il court aussi. La révolution dure 27,32 jours. Avant l'invention des œufs brouillés en 1912, le brunch traditionnel était constitué de poussins crus ou de cailloux brouillés. Le paradoxe du chat de Schrödinger postule une situation dans laquelle un chat prisonnier à l'intérieur d'une boîte est à la fois mort et vivant. Schrödinger s'est servi de ce paradoxe pour pouvoir tuer des chats impunément. Selon des algorithmes très évolués, le nom le plus classe du monde est Habitbol. Il va pas dire la phrase que je veux. Il était interdit d'avoir un lapin de compagnie, d'où une recrudescence de souris avec de fausses oreilles de lapin collées sur la tête. Marie Curie a découvert la théorie de la radioactivité, le traitement de la radioactivité et la mort par radioactivité. Un enfant sur 6 sera un jour ou l'autre kidnappé par un néerlandais. En 1983, à la demande d'un enfant mourant, oh bah j'ai pas le choix. Le bison Bobé a mangé 75 galettes de blé noir avant de laisser le temps. Alerte, cœur corrompu à 100%. Bah oui, si on laisse le timer remonter, descendre à zéro, bah on meurt. Remplacement manuel du cœur requis. Ah, je vois. Cœur de substitution, confirmez le démarrage. Cœur corrompu, confirmez le démarrage. À votre avis. Réponse vague et considérée comme affirmative. Ah, non, non, plus dans la paire, c'est rien. Temporisation détectée.
Ah, la fameuse temporisation. De résolution des temporisations, extinction. Ah, ça s'enlève facilement en fait. C'est bon à savoir, plus tôt ça aurait été mieux. Détemporisateur qualifié, veuillez appuyer sur le bouton de résolution des temporisations. Ah, mais il y a une grille. Mais c'est pas grave. Ne faites pas ça. Je vous défends d'appuyer. Appuyez sur le bouton. N'appuyez pas sur le bouton. Appuyez. N'appuyez pas sur le bouton de détemporisation piégé. Quoi? Vous êtes toujours en vie? Oh mais attendez, c'est pas possible. Chaque fois, je suis content d'être resté dans mon rack. Au fait, je sais pas du tout comment réparer les dégâts. Vous voyez ce que vous avez gagné en jouant au chat et à la souris pendant qu'on travaillait? On va tous mourir à cause de vous. J'espère que vous êtes contente. Mais oui, bon, bah y'a plus qu'à tirer sur la lune. Le gel lunaire pour faire une surface blanche, ça vous dit quelque chose? Bon bah allez. Ne comptez surtout pas revenir. Miner, changement de programme, agrippez-moi, plus fort. Ah, tenez-moi. J'ai découvert quelque chose en étant Caroline. Je vous prenais pour mon ennemi juré, alors que vous étiez ma meilleure amie. J'ai aussi découvert autre chose, l'endroit de mon cerveau où vit Caroline. Caroline, supprimée. Bye bye, Caroline. Vous savez, j'ai découvert quelque chose en supprimant Caroline. Que la meilleure solution est généralement la plus simple. Et je vais être franche, j'ai du mal à vous tuer. Avant, j'étais tout entière à mes tests. Personne ne m'assassinait, personne ne me mettait dans une patate, personne ne me picorait. C'était le bonheur. Et puis est apparue cette folle dangereuse qui m'a tuée sans piper mot. Vous voulez que je vous dise? Vous avez gagné? Partez. C'était sympa. Adieu. Oh,
to kill me twice. Oh, how we laughed and laughed, except I wasn't laughing. Under the circumstances, I've been shockingly nice. You want your freedom taken. That's what I'm counting on. I used to want you dead, but now I only want you gone. She was a lot like you, maybe not quite as heavy. Now little Carolyn is in you too. One day they woke me up, so I could live forever. It's such a shame the same will never happen to you. You got your short sighted life. That's what I'm counting on. I'll let you get. Did you think I meant you? That would be funny if it weren't so sad. Well, you have been replaced. I don't need anyone now. When I delete you, maybe I'll stop feeling so bad. Go make some new disaster. That's what I'm counting on. You're someone else. L'espace, il y en a beaucoup, je veux te voir. J'aimerais bien pouvoir revenir en arrière, faire certaines choses différemment. Non, c'est vrai. Et pas juste parce que je suis en train de dériver dans l'espace. Je suis dans l'espace. Eh oui, l'ami. On est dans l'espace. Tous les deux. Enfin bref. Si je pouvais la revoir, tu sais ce que je dirais? Je suis dans l'espace. Je dirais... pardon. Avec sincérité. Pardon d'avoir été... tyrannique et monstrueux. Je suis vraiment navré. Tu viens l'espace. Fin. Voilà. Ça y est. On en a terminé avec cette aventure. Voilà. Donc, comme vous l'avez vu, GLaDOS a repris sa place. Et ce qui est drôle, c'est qu'elle a supprimé Caroline. Vous vous souvenez de Caroline? Caroline, la secrétaire de Kev Johnson. Vous vous souvenez, à la fin de la zone de l'ancienne aperture, il disait, on travaille sur la cartographie, l'IA, et si jamais je meurs avant que vous réussissiez à me mettre dans l'ordinateur, je veux que Caroline prenne la relève. Elle va rechigner, forcez-lui la main, voilà. Eh bien, en fait, il semblerait que la conscience de Caroline ait été injectée dans GLaDOS au moment de sa création. Voilà. Alors, d'ailleurs, vous pouvez voir, il y a des vidéos... Il y a des vidéos qui traînent un petit peu sur internet au sujet de cette théorie qui sont assez intéressantes d'ailleurs à voir. Voilà. Sinon donc, bah, je pense que je vais abréger assez vite vu qu'on est à 40 minutes. Voilà. Donc, aussi pendant l'épisode que vous venez de voir, il y a un moment où GLaDOS dit que Whitley avait mis la main sur le programme de test coopératif de GLaDOS. Eh bien, en fait, c'est l'objet en fait du mode jeu coopératif qui permet donc de jouer à deux joueurs. Donc, pour rappel, je devais donc pas m'amuser à refaire ça parce que ça servira à rien. Je vous renvoie si vous voulez voir ce mode qui donc dont le scénar se passe après le mode solo. Ben, je vous invite à aller voir les vidéos que j'avais fait à l'époque avec Léonours. Voilà, et j'avais aussi refait le mode coopératif sur la chaîne de Riveless en live avec lui. Donc pareil, vous pouvez aussi aller voir l'aventure coopérative de son code sur sa chaîne. Voilà, donc vous avez le choix, vous avez deux let's play différents déjà faits sur le mode coopératif. Donc je vais pas le refaire une troisième fois, ça servirait à rien.
Voilà. Donc, du coup, on va s'arrêter là. Donc, pour les programmes à suivre, bon, pour l'instant, il y a, en parallèle de ça, il y a toujours la saga des Uncharted qui se poursuit. De toute façon, j'en suis qu'au premier. Alors, je rappelle que les jeux Uncharted, il y en a 5. Donc, vous avez de quoi faire. Voilà. Par contre, en remplacement de Portal 2 pour les prochains samedis, je n'ai pas encore de projet en tête. Enfin, s'il y en a un qui me vient, il y a une chose qui me vient, mais je veux vous laisser un petit peu la surprise. Je ne veux pas en parler d'avance. C'est quelque chose que je ne veux pas en parler. Je veux pas en parler d'avance avant de l'avoir fait. Voilà. Donc un petit peu de surprise. Sinon, après, je ne sais pas encore trop vers quoi m'atteler, puisque à la base, j'avais pensé faire également un let's play nouvelle version refait sur The Adventures of Alundra sur PlayStation. Mais le truc, c'est que on a une amie à nous qui est actuellement sur le jeu, donc je voudrais pas trop empiéter sur ses plates-bandes. Voilà. Donc, je sais pas trop si je dis qui c'est ou pas. Voilà. Parce qu'en même temps, si je le dis, ça va lui faire un petit peu de pub, mais si je le dis pas... si je le dis, ça va lui faire un petit peu de pub, mais si je le dis pas, elle a dit... je sais pas. Voilà. Donc, non, je vais pas dire qui c'est, de toute façon. Si vous suivez un petit peu ce qui se passe sur la chaîne, vous savez très bien quels sont les gens avec qui on passe régulièrement... Enfin, quelles sont les personnes qui participent régulièrement à la chaîne? Voilà, je vais y arriver. Désolé. Voilà, donc du coup, ce projet-là, je le laisse complètement de côté parce que ça serait empiété sur les plates-bandes de cette personne qui essaye tant bien que mal de faire progresser sa chaîne. Donc voilà. Oui. Sinon, il y a eu une idée qui m'a été exprimée il y a très peu de temps, mais ça serait pour un let's play sur un jeu Switch, mais il faudrait que je le chope, le jeu. Voilà, parce que le jeu, je ne le possède pas actuellement. Donc, voilà. Par contre, oui, en ce qui concerne le projet des Ratchet & Clank, malheureusement, il est définitivement... Je suis obligé de l'abandonner définitivement, cette idée, puisque impossible de tourner sur la PS3 avec tous les essais que j'ai pu faire. Sachez que même Uncharted, j'avais essayé de le faire sur sa version PS3. Qui, lors de mes tests, avait l'air de marcher. Et puis le jour où j'ai voulu faire l'épisode pour de bon, il s'est dit « Ah non, tu marcheras plus jamais ». Donc, j'ai dû abandonner complètement toute idée de faire un jeu PS3. Donc, autrement dit, tous les Ratchet & Clank qui sont sortis sur PS3, impossible à faire. Donc, malheureusement, ça s'est abandonné définitivement. Voilà. Sinon, pour ce qui est du reste, on verra bien ce que je vais pouvoir proposer. Parce que je pense que pour l'instant, tant que j'ai mes petits problèmes avec l'ordinateur quand la température de la pièce monte, je pense que je vais éviter de me lancer dans un projet de jeu sur PC. Voilà. Donc après, je pourrais peut-être repartir sur des jeux un petit peu plus rétro, tu vois. Parce qu'à la limite, c'est un peu comme ça que la chaîne a commencé. Elle avait commencé avec des jeux bien rétro, quoi. Donc faudrait que je vois s'il y a quelques petits trucs que je pourrais faire. Parce qu'à la limite, je peux éventuellement essayer de passer par le Recalbox plutôt qu'un émulateur sur l'ordinateur. Enfin, ça dépendra de la plateforme sur laquelle... Est-ce que j'ai encore des jeux rétro à vous présenter ou pas? À la limite, oui, c'est vrai que je vous ai jamais fait aucun jeu Game Boy. Pourquoi pas? Mais si je vous ferais des jeux sur cette plateforme-là, ça serait des let's play extrêmement courts vu que les jeux de cette époque, ils étaient pas spécialement longs. Hein. Enfin voilà, donc on verra bien. Donc pour l'instant, je vous laisse un petit peu en suspens sur ce qu'il pourra avoir samedi prochain, s'il y a samedi prochain. Je vais voir quelles sont mes possibilités. Voilà. Bon allez, donc je vous laisse là-dessus. Donc let's play de Portal 2 sur PC terminé. Je vous dis ciao et à la prochaine. Vous vous trouvez dans une situation très dangereuse. Vous avez 87,6% de chances de mourir dans les 5 prochaines minutes. Ça ne vous ferait pas de mal de perdre quelques kilos. Si vous avez du mal en calcul mental, il y a un moyen mnémotechnique tout simple.
1 plus 2 plus 60 plus 12 moins 6 millions n'est pas égal à 504. Voilà. Vous pouvez maintenant effectuer facilement des opérations arithmétiques complexes de tête. Avec 3410 degrés Celsius, le tungstène détient le record de température de fusion de tous les métaux. William Shakespeare n'a jamais existé. Ces pièces ont été créées en 1589 par Francis Bacon, qui s'est servi d'une planche de Ouija pour asservir des esprits dramaturges. La comète de Halley est visible depuis la Terre tous les 76 ans. Les 75 autres années, elle hiberne tranquillement dans le noyau du soleil. Le premier vol commercial a eu lieu en 1914. Tous les passagers ont hurlé du décollage à l'atterrissage.